pas allumer le feu d'alerte là-haut? Mais non, je vais pas allumer le feu d'alerte là-haut parce que ça sent de brûler. Ah, ça vient bien de quelque part, hein. Seigneur Rivain. Chevalier au lion. Seigneur Rivain, chevalier au lion, venez voir. C'est la forêt là-bas qui flambe. Ouh. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On doit donner l'alerte quand il y a un incendie? On allume un feu pour signaler qu'il y a un feu? Ben ouais. Bon, j'ai juste mis le feu à son cabanon, là où c'est qu'il range ses outils. Et moi, j'ai riposté en foutant le feu à la grange, là, là où qu'il stocke son fumier. Bon, c'est après, les feux se sont rejoints. Et oui, le vent s'est levé, on n'a pas réussi à maîtriser. Vous vous rendez compte que la moitié de la forêt a foutu le camp? Et que si c'était pas mis à pleuvoir, il y aurait carrément plus de forêt du tout. Non, puis je sais pas, ça fait des années que je vous dis d'arrêter vos conneries. Des années, ça n'a jamais rien changé. Maintenant, vous cramez des forêts. Donc là, c'est fini, hein, on arrête les frais. On vous retire vos terres. Mais attendez, mais on se réconcilie, je l'ai même invité à souper à la maison ce soir. De quoi? Ben si. Ah ouais, oui, il m'a invité. Oh, non mais ça nous a bien remis les idées en place, là, l'incendie. On a pris conscience de certaines choses. On va tâcher moyen d'être sage. Voilà. Bon, alors, je vous laisse une dernière chance. Hein. Oh, bon... Oui, hein? Attention, parce que si jamais on me rapporte que vous vous êtes encore frité, ou que même vous avez juste levé la voix pendant votre repas, je vous retire vos terres. Qu'est-ce que je fais? J'amène le vin? Ah ben, vu la merde que c'est... Ah ben, c'est... Ah ben, si vous voulez, oui. Il paraît qu'il est fameux. Oh! J'arrive pas trop tôt! Oh non! Entrez, restez pas dehors! Oh, je vais tout vous salir! Non, pensez, entrez, oh là là! Vous apportez ces quelques blettes? Oh, bah écoutez, vous fallait pas, vous êtes bien frais! Asseyez-vous donc! Eh ben dites, ça fait longtemps que j'étais pas venu! Mais vous y avez drôlement bien retapé, hein! Alors là, chapeau beau! Ah quel beau raffinement, je dirais maison de caractère avec votre personnalité. Oh, vous êtes bien gentil. Mais on fait petit à petit, vous savez, moi j'ai pas votre patience, moi. Parce que quand je vois comment vous avez été minutieux, on peut dire, hein, avec la porte de votre grange, moi je suis admiratif. Mais vous savez, vous avez de l'or, vous avez des droits, moi. Oui, mais ça me prend un temps fou. Oh, oui. Je ferais mieux de prendre exemple sur vous. Ah bon? Pas passer tout mon hiver à bricoler, oui. Et je serais pas si tant à la bourre sur les semences. Non, écoutez, je vous dis, ce matin, je suis passé devant vos cerisiers. Mais je me suis dit, mais non, je dis, mais bon Dieu, mais comment c'est possible d'être aussi doué avec des arbres fruitiers? Mais attendez, vous avez un talent fou, mais vous savez ça? Vous savez que vous avez du talent? Merde, des fois j'ai envie de dire, mais il faut le savoir, ça, non? Mais alors, passer la mi-saison, ça arrive, c'est déjà sec comme une tarte dans la gueule. Ah ouais? J'ai envie de dire. Oui. Tandis que chez vous, vous avez eu l'intelligence d'aménager une zone d'ombre, et ça, c'est tout à votre crédit. Ah oui, aménager, vous savez, c'est surtout votre mur qui me fait de l'ombre. Mon mur, je l'ai monté un peu sans vous demander votre avis. Bon, vous avez bien fait. De toute façon, si pour demander toutes les permissions, on fait jamais rien. Alors, mais voilà. Tout à fait, comme je dis toujours, un mur, ça se monte et ça se démonte, pas vrai? Mais parfaitement, mais si un jour j'en ai marre, j'y fous le trois coups de masse, puis on n'en parle plus. Mais bien sûr, je vous donnerai la main. J'en ai une de masse, moi aussi, comme ça j'en profite pour vous en mettre un coup dans la gueule. C'est pas bien méchant. Vous avez bien fait d'emmener les bouteilles.